Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est reparti pour la série 60-200 en Coliseum avec Unxelor. Et comme d'habitude, j'arrive au bon moment puisque là c'est la sauvegarde sur rush. Contre ce roublard niveau 151, il a beaucoup de res, il a beaucoup de vie. Ça va être un match costaud. Alors il va poser ses bombes, d'accord. Je suis pas un expert de roublard, donc ok, il met une empreinte ici là. Ok, on va pouvoir aller le chercher. Et en plus, il nous laisse hop une opportunité plutôt énorme. Hop, on va faire ça et un coup de corps à corps, voilà. Et vu que c'est un roublard, je fuite pas, voilà. J'en profite pour le gêner avec le complice. Je pense que c'est un bon premier tour puisqu'on l'a mis midlife. Et on le gêne plutôt, je l'espère en tout cas, avec le complice. Surtout par rapport à cette ornabombe là. Bon ben voilà, après on connaît hein, les spams grenailles. C'est pas marrant, mais bon, on savait à quoi s'attendre. C'est pas grave. Allez, il lui reste 5 PA, il va reposer une bombe. Et ruse dessus. Problème, c'est que là, on peut aller le chercher encore une fois. On a même un truc sympa à faire, c'est la free TP comme ça. Hop. Allez, on va pouvoir lui mettre un full tour. Hop. Un coup de corps à corps. Ah, ça crit pas, c'est dommage. Bon, on va le gêner là. Là, on va le déranger, ce roublard. Mais il a quand même plus d'un tour dans sa botte. Là, il peut faire des choses, je pense. Mais c'est vrai que là, il lui reste plus que 810 de vie, quand même. Donc, bon. Ah, la grenaille qui met mal. Mais on commence à avoir une synchro plutôt bien boostée. Donc, il va falloir qu'il fasse attention à son placement. D'accord, ça, c'était prévu. Pas de problème. Alors. Ok, alors déjà on va directement partir comme ça. Ok. Bon, on va le gêner. Le cac il va passer ou pas? Non. Ah, je l'aurais terminé. Dommage. Avec un coup de corps à corps, il serait... Dommage que j'ai pas eu le temps de terminer mon tour. Mais j'aurais pu le tuer. Bon, on est clairement au-dessus sur ce match. On lui a complètement roulé dessus. Tout le long. J'ai essayé de faire péter la synchro à la fin. C'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Mais j'avais pas vraiment les symétries là. 1, 2, 3. Alors, attendez, on va juste... Voilà. Désolé, mais ça marche pas contre un Xelor. Oh, c'est quoi ce bug là? Il est où? Non! Ah, il est devant moi! C'est ça, hein? Ouais, oh là là, le bug! Voilà, allez, c'est terminé. J'aurais bien voulu faire péter la synchro, mais... j'aurais pu, mais avec plus de temps. J'ai perdu trop de temps sur cette espèce de bug. Hop, niveau 189. Je suppose qu'il est terre, vu la panoplie qu'il a pas du tout caché. Et le Volcorn, terre. Donc j'ai caché, moi, la synchro. Parce que là, vu qu'il est au niveau comme ça... Oh, j'ai fait un petit fail, là, sur le placement. Ah non, en fait, non.
Ah là là, non. Je me suis trompé de sort. Je me suis juste trompé de sort. D'accord. Bon, bah on va y aller, hein, au corps à corps. La disto, hop, on va le ramener là-bas. Moi, je vais Rambo et je vais lui mettre un coup de corps à corps. Voilà, qui passera bien puisque il y a mis un petit 580 là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper ma synchro. Bon, les 1800, est-ce que je les ferai pas là? Il a pas l'air d'avoir d'être hyper tanky, mais j'ai pas mon coculte. Là, je suis avec la dinde, donc va falloir faire beaucoup de crit si on veut que ça passe, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, pour le moment, on a fait quelques crits, mais ce sera pas suffisant. Non, ce sera pas suffisant. Donc je vais contre. Pourquoi pas? Lui, il va Vita, donc il pourra pas se suicider. C'est vraiment le pur Yop, quoi. C'est je réfléchis pas, je top, ça passe pas. Ah bon, bah tant pis. Bah écoute, tu vas perdre contre un Xelor 180 quand même, hein. C'est dommage, non? 140, pardon, c'est lui qui est niveau 189. C'est dommage pour toi, mon pote. Allez, ciao! J'ai raté, il fallait s'adapter. Pas grave. De toute façon, là, il est niveau 198, on peut rien faire, on le sait très bien. Et voilà, et là maintenant, je suis mort. Ok, il va faire que ça de son tour. Ok. Bah ben d'accord. Alors nous, on va rester là-haut. On va essayer de gratter un tour. On peut gagner, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, on va double fuite. On a un proc émeraude. Donc, on va voir ce qu'il nous propose. Mais c'est vrai que là, ça peut être un tour décisif. Après, je sais pas s'il peut me représailler ou pas. Non. Apparemment, il va pas chercher à représailler. Il va juste me taper. Ok. Bon, ben. Alors, ok, hein, très bien. Bon. Il faudrait. Est-ce que ça passe ou pas? Oh là là, ça passe pas. Il lui reste 71 points de vie. Ah, y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Les crasses en 98, j'y arrive pas, hein. J'ai pas la solution. J'ai pas. Oh, il passe tour, d'accord. Bon, je pense que ce cra, il était vraiment nul comparé aux autres. Hein. On a l'igni, magnifique. On a combien d'igni, là? 3900. C'est vrai que c'est beaucoup, mais si c'est un cra haut avec leur stuff 198, ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Faudra faire un PM de plus. Ok. Alors lui, il a tellement pas de PO qu'il est obligé de... Putain. Bon. Est-ce qu'on le tacle un peu? Ah, un petit peu. C'est pas mal ça. Allez, on va pouvoir avoir l'initiative sur l'agression de ce fight. On va le taper plutôt terre. Hop. Je vais mettre une fuite sur lui plutôt. On prend un émeraude, 154 de PB.
La synchro qui va clairement taper bah, deux fois moins que d'habitude. Ça va pas être terrible. Ah, y a pas à s'emmerder, hein. Flèche magique, flèche magique, flèche de recul. Allez, passe tour, frérot. Je crois que tu n'as plus de PA. Vas-y. Il te reste 2 PA, mais tu n'as rien à faire. Allez, et allez. Oh là là, détestable. Allez. On va se le ramener comme ça. Voilà. On va faire ça. Hop. Et je vais mettre une fuite sur moi du coup. Allez, on proc encore le bouclier. Mais bon, c'est pas, c'est assez insignifiant. Hein, vu les dégâts qu'il met. Bon, ici, là, la synchro, sur ses 40% avec un boost supplémentaire, combien elle va taper? C'est ça le truc. Elle va taper deux fois moins que d'habitude, donc... Là... Voilà, il faudrait mettre ça ici. Voilà, je crois que là on a la symétrie, ok. Donc, on va lui mettre un rayon. Et on va TP en espérant que ça tue. Ouh! Oh là 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 là! Bon, eh ben on l'a explosé celui-là. Et je vous dis à demain. Ciao la famille, bonne soirée à tous.